Bienvenue à la formule d'autotraitement pour soulager la douleur du cou et de l'épaule à l'aide de l'Acubal Mini et de l'Acubac. Toujours demander conseil à un professionnel de la santé qualifié en qui vous avez confiance avant de vous engager dans tout travail d'autotraitement. Commençons par libérer la musculature de l'épaule. Parce que les muscles de l'épaule sont intimement reliés aux muscles de notre cou, toute libération que nous pouvons faire dans le côté l'arrière et l'avant de l'épaule aidera à améliorer la fonction de notre épaule et de notre cou. Placez votre Acubal Mini derrière l'omoplate dans une position couchée ou contre le mur en position debout et déplacez-vous pour permettre à votre corps de vous indiquer l'endroit exact où il veut que vous alliez. Cette pratique très intuitive vous montrera exactement où les régions de tension sont. Regardons la façon d'ouvrir les muscles sur le côté de l'épaule, debout contre le mur. Placez la Acubal Mini entre votre épaule et le mur et commencez à vous déplacer autour. Des mouvements subtils vous permettront d'identifier les endroits de contraction maximale et c'est ici que les muscles de l'Acubal Mini vont commencer à séparer les muscles tendus, stimuler la circulation sanguine et ouvrir la capsule articulaire. Des changements remarquables se produisent après aussi peu que 2 à 3 minutes de travail. Maintenant, travaillons sur les muscles à l'avant de l'articulation de l'épaule. Positionnez-vous pour que l'Acubal Mini soit placé à l'avant de l'épaule. Puis déplacez-vous de nouveau. Laissez la sagesse du corps communiquer où il veut que vous alliez. Vous serez bientôt en mesure de sentir les régions tendues et de vous appuyer dessus grâce au point de l'Acubal Mini pour détendre les muscles et stimuler la circulation sanguine. Ensuite, travaillons sur le sternum à l'avant de notre corps. Lorsque nous sommes penchés vers l'avant et que le cou est à l'avant, les muscles qui relient le sternum à l'avant du cou deviennent tendus. Prenons l'Acubal pour libérer le sternum, de sorte qu'en libérant les muscles, notre cou soit aussi capable de passer d'une position vers l'avant à une position verticale plus naturellement. Localisez le point de tension maximal, puis libérez-le. Remarquez que lorsqu'elle travaille, elle contracte l'avant de sa poitrine. L'Acubal va commencer à libérer ses régions et à mesure où l'avant de sa poitrine s'ouvre, l'avant du cou ouvre en permettant d'aller en position plus verticale. Trouvez un endroit où vous ressentez un inconfort maximal et relâchez votre corps pour 3 minutes complètes. Les 30 premières secondes seront sensibles, puis la douleur commencera à diminuer par la suite. Continuez de respirer et de vous libérer dans la région. Maintenant, libérons le cou en utilisant la technique des deux balles où l'Acubal chauffé et l'Acubal Mini à température ambiante seront utilisés à l'unisson. D'abord, placez l'Acubal Mini derrière l'omoplate et déplacez-vous vers le haut ou le bas sur le tapis jusqu'à ce que vous trouviez la région de tension maximale. Vos genoux seront pliés et l'ensemble du poids de votre corps sera déposé sur l'Acubal Mini. Vous saurez quand vous aurez trouvé l'endroit, car ce sera tendu. Une fois trouvé, placez l'Acubal plus large chauffé sous le cou. La rainure s'étendant autour de l'Acubal vous permettra de la placer directement sur votre colonne vertébrale. Les deux balles ensemble créent une ouverture et un effet subtil de traction qui libère la contraction entre l'omoplate et le cou, vous permettant de réouvrir votre corps. Terminons avec une posture assise correcte. Si nous travaillons sur la libération de la douleur du cou et des épaules, nous devons établir une bonne assise, de sorte que l'on ne l'aggrave pas davantage. Regardez l'angle de son cou dans cette position. Il est évident que son cou et que ses épaules deviendront très tendus. Prenez l'Acubac chauffé et placez-le dans la partie supérieure des lombaires. La région inférieure thoracique pour rétablir la courbe normale que nous devrions avoir dans cette région. Une fois que cette courbe revient, la région thoracique et cervicale s'aligne parfaitement sans effort.
Une fois que vous êtes assis dans cette position, le tissu musculaire se détend, les organes ne sont plus compressés et votre productivité est meilleure.